Et salut à tous, l'âme compagnie, de retour pour ce 7ème épisode de Super Mario Bros. Wonder après l'exploration de les ruines d'Odeline, dans ce monde numéro 5 où on était un petit peu bloqué puisqu'on n'arrivait pas à trouver la vraie sortie. Voilà, on a déverrouillé ce tuyau. Donc on y va les amis, bienvenue, prenez place, on continue l'aventure dans ces mines particulières. Ah oui, en effet, on va se perdre, je le sens venir. Arène de combat, chicane des mines. On n'a pas besoin de la faire. Regardez en haut à gauche, on a 16 graines prodiges. Il nous en faut 11 pour débloquer justement ceci. Donc, on s'en occupe. N'oubliez pas le pouce bleu. Merci Firestorm encore une fois. Gros big up à lui. Sans lui, ce let's play n'existerait pas. Allez, c'est parti. Exploration 3. Ruine toxique, une difficulté qui m'a l'air assez grandiose. 4 étoiles. Attention tout de même. On va devoir encore une fois ouvrir l'œil et ne pas trop rager comme dans le précédent épisode. Enfin, comme dans tous les précédents épisodes, me diriez-vous. Je vous remercie du fond du cœur. C'est grâce à vous si nous sommes parvenus jusqu'ici. J'espère que mes amis vont bien. Il faut vraiment qu'on fasse attention ici. Ce sont les dernières ruines et elles peuvent être très dangereuses. Donc à tout moment, tout s'écroule sur ma gueule et vous allez entendre un colo pas content. Voilà. Oh! Tout à fait. Ok. Alors, des tortues venues du ciel. C'est mignon comme tout. Hop, on récupère les pièces. Évidemment, je n'allais pas partir sans les prendre, n'est-ce pas? C'était pas du tout une erreur. Ok, donc à chaque fois, on utilise les fleurs vertes pour pouvoir... Je vais péter... Ah, c'est bon, ok. Alors là, mon pote, je me suis retenu de respirer. Hein. Ah, mais tu utilises ta robe pour t'envoler, Wingsuit. D'accord. Bon. Checkpoint. Ce fut bref. Ok. Oh. Superbe. Ok. Heureusement que j'ai pas perdu trop de temps. Ok. Ah! Salope. Pardon. Excusez-moi. Comment on aurait fait pour prendre la pièce, je ne sais pas. Hop, voilà, excusez-moi, j'étais vulgaire, évidemment, comme d'habitude. Désolé, YouTube. Ok. Moi, je me souviens, sur Nintendo, quand tu montais trop haut et que tu pouvais plus redescendre... Oh, non. Oh, c'est pas vraiment bon, ça. Oh, je veux. Merci. Bonsoir. Ah bah ça c'était... Voilà. Alors attendez, rebond salvateur, voilà. Je pense qu'on va en avoir besoin. Si vous voulez mon humble avis. Ah. J'adore. Hop. Voilà. Oh, oh, oh. On perd pas de time. Ah ouais, c'est vrai que là j'aurais pu passer si je me dépêche. Alors, ceci étant dit, ceci étant fait, ça va commencer à me gonfler. Alors, on va faire mon truc. Comme ça, au moins, on va passer par en dessous. On va limiter les problèmes. Très excitant. Hop, 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 hop. Voilà. Chez. Tu vas faire quoi maintenant? Hein? Grosse merda. Bon. Là, on a un champi. Ah. On va se dépêcher. Hop, superbe. Comment perdre du temps pour rien? On apprécie. Bon, là, j'ai pas besoin de la récupérer, j'ai déjà, donc je m'en fous, je continue. Hop, hop, hop. Toi, tu dégages. Oh, bâtard. Oh, t'étais plus fort que moi. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Oh, 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 oh. J'ai eu chaud un peu, hein. Allez, 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 allez. Fais péter la sauce, là. Sauce magique, beau gosse. Merci, le rebond salvateur qui vient de me sauver, bien évidemment. Une fois de plus. Heureusement que j'ai acheté de la vie. Hein. Heureusement, j'ai acheté de la vie. Bon, je pourrais pas récupérer la pièce. Trop dangereux. Malheureusement. Bon, ça, je prends quand même. On a assez d'argent, hein, de toute façon. Hein. Allez, on se casse. J'espère qu'il va pas y avoir des sorties secondaires et qu'il faudra trouver la bonne non plus, parce que sinon, ça va être très très vite chiant. Attends, mais ça sert forcément à quelque chose, ça. Hey, hey, hey. Let's go. Ouais, 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 ouais. On peut... Pardon? D'accord. Alors, j'ai pas compris. Le rebond salvateur marche pas quand on est slime? Ok.
Mais est-ce que vraiment... Bon, on va quand même le faire ce truc là, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir les graines prodiges. Donc voilà. Mais ok, c'est bon, j'ai. Ok. Ok. Hop, hop. 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 Let's go. Ah, j'aurais pu... Prodigieux quand même, c'est bon. Ah bah c'est parfait. C'était peut-être pas ça la fin. Oh, c'était pas ça la fin. C'était pas ça la fin, mais bien sûr. Bah oui, parce que quelqu'un de normal l'aurait terminé là. Sauf que nous, on pouvait longer le mur en haut. J'ai trop le seum. Eh, je m'en fous de tes conseils. L'autre, il voulait me parler. J'ai compris, j'ai compris. La fin secondaire. Mais par contre, ce qui est chiant avec ça, tu vois, c'est qu'il faut recommencer du début. Et ça, c'est terrible. Donc je vous dis à tout de suite. Allez, je vous reprends. On arrive vers la fin, me semble-t-il. C'est vrai que le parcours est long. Oh bah j'aurais pu reprendre la pièce du coup là. Bon, malheureusement je ne l'ai pas fait. Du coup on arrivait là, on passait par là. Tac, tac. Et on monte le tuyau. Voilà, c'est bon. Du coup, en effet. Tac, donc on devait prendre le slime, évidemment. Voilà. Ce qui va nous permettre de pouvoir longer les murs. Et donc évidemment alors, voilà, il serait chouette de pouvoir y arriver. Hop, 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 hop. C'est long ça. Voilà. Du coup, tac, tac, tac. Superbe. Et donc là, faut aller en haut. Faut aller en haut. Alors, comment faire pour aller en haut? Je ne sais pas. Comme ça. Voilà. Let's go. Non, moi, je trouve ça vraiment malin, en vrai, les fins alternatives. Enfin, les vraies fins, quoi. Alors là, du coup, faut faire ça. Ça, puis elle est là. Oh là là, c'est génial. Ok. Ah, j'aurais peut-être dû... Super. Et dans ce genre de moment, du coup, on fait comment maintenant? Ah, c'est bon. J'ai l'info. Très bien. Ok. Ah, j'aurais pu me mettre en bas. Eh ben, j'aurais dû. Grosse merde. Oh, ça me saoule. Et franchement, c'est terrible. Je suis tellement content d'avoir acheté plein de vie, là. En vrai, là, je me sens beaucoup plus serein, du coup, tu vois. Ah non, mais c'est pénible. C'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Hop, hop, hop. Voilà, on se fait pas avoir cette fois-ci. Hop, on monte par là. Mais d'ailleurs, si je vais en bas, il se passe quoi? Attendez, je suis curieux. Je suis curieux, là. Ah bah, je suis déçu. Voilà, tu vois, ils auraient pu quand même faire un truc pour les curieux comme moi. Je suis déçu. Hop, hop. Donc ça, c'est bon. C'est compris. Allez, c'est éclaté au sol, ce jeu. Voilà, c'est éclaté! Horrible, c'est horrible. Vraiment, hein. Allez. On y retourne. 9999. Oh purée, c'est tellement chill, Mario. Voilà, on descend. Et là, je vais me faire écraser. Voilà, je préfère pas prendre le risque. Je sais que j'aurais pu faire le tour en bas. En bas, là. Mais j'ai peur de me faire écraser. Wouah, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Oh, bah là, c'est pareil. J'aurais pu me faire écraser, quoi. Ok. Mais l'intérêt c'est qu'on meurt là ou... Ok. Par ici. Ah, on a pété de tes pièces moi. Ok. Non. Non. Oh là là, j'ai eu si peur. Ouais, je prends pas les pièces. J'ai trop peur là, je suis parano. Manipulé par un autre. Très bien. Dis-moi qu'on peut, qu'on en a bientôt fini là. Ouais. Ah, ça je prends par contre. Ça c'est cadeau. Ça fait toujours plaisir. Hop. Waouh. Oh là là. Ok. Grimpe. Merci. Oh non, j'ai trop le seum. Allez.
Mais monte! Saloperie. Allez! C'est ingérable! C'est ingérable! Eh, c'est le système solaire, regardez, avec les planètes et le soleil au milieu. Voilà. On se réconforte comme on peut, hein. Voilà. Une fois qu'on est là, il faut faire quoi? Attends, on se fout de ma gueule? Il faut que je fasse quoi, là? Faut que j'aille dans le soleil? Je vais mourir. Bah ouais. J'avais bien compris que j'allais mourir si je vais dedans, mais il faut que je fasse quoi, putain de merde? Non, mais c'est pas possible. Ça y est. Oh non. Quoi? Oh non, c'est pas possible. Oh les gars, je viens de trouver un passage secret. Let's go. Alors ça, au moins... Voilà, je suis mort pour une bonne chose. Ah, c'est pas mal du tout ça. Oh, j'ai failli mourir encore. Bon, allez, on reprend ça. Tac, tac, tac. Terrible, terrible, terrible. En vrai, ce... Alors, je vais vous le dire, c'est original. Mais ce niveau, c'est de la merde! Allez, bon. On va y arriver, hein. Bah, on va y arriver, on va y arriver. Oui, on va y arriver, mais je sais quand même pas qu'est-ce qu'il faut faire après, là. Au moment où il y a... Allez! Dépêche-toi. Là, ici, là. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Je comprends pas du tout l'intérêt. Tu sais quoi? Je récupère même pas les trucs violets. Je m'en fous, là. Je veux juste finir ce niveau et avancer, parce que... Oh là. Bon. Une fois que t'es là, il faut faire quoi? Faut actionner... Ah, faut peut-être actionner tous les trucs. Ah, c'est peut-être ça. Voilà. Ok. Là, ici, il y a... Non. Là, il y a actionné aussi. Et là, aussi. Ah, en fait, ça fait réduire le soleil. D'accord. Ah, oh, j'étais au bout, quoi. Excellent. Bon, maintenant, il faut réussir à monter parce que c'est ingérable. Ok, j'ai compris. Alors, regardez, je vous montre comment ça fonctionne sur ce jeu de mort. Voilà. Hop. Voilà. Graine prodige obtenue. Eh ben, quand même. Il était temps. Il était temps. Et maintenant, on va se faire foutre. Eh bien non, on continue à gauche, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Eh ben, c'est pas fini. C'est pas fini. On a encore de quoi mourir. Et puis, on n'a pas de checkpoint. Ah, dommage. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'avais pas compris. Bon, bah, ça fait du bien de voir le drapeau, hein. Eh bah, épuré. Eh bah, au moins, on est les deux graines prodiges. Mais sans déconner, là, impressionnant. Ruine toxine. Moi, j'aurais dit ruine toxique, ouais. Parce que là, mon pote, je sais pas si vous m'avez vu plus énervé que ça encore. Mais c'est déjà très, très, très impressionnant. Eh hey. Qu'est-ce que... Vous avez trouvé la vraie sortie de ces ruines, c'est formidable. Nous devrons enfin trouver mes amis. Merci tous de vos efforts pour arriver jusqu'ici. Allons les secourir. Ok. Oh, mais quelle tête de linotte. J'ai trouvé ce champignon one-up. Ah, ben, merci. C'est vraiment pas de refus, hein. C'est vraiment pas de refus. Et je vais même faire un truc. Je vais remonter tout en haut. Parce qu'on arrive vers la fin du monde, j'ai bien l'impression. Je ne parle pas de la fin du monde, évidemment, qui est aussi proche, hein, bien évidemment. Mais je vais en profiter parce que je sais pas si j'aurai la chance d'avoir d'autres plans comme ça. Bah si, du coup, mais bon, on a l'argent, donc on va en profiter. Hop, voilà. Hop, voilà. Voilà. Voilà, on a encore plus de 250 et on a 60 de vie. Donc voilà, là au moins, on a le stock. Parce que me connaissant, je vais péter un plomb et j'ai pas envie de perdre bah, toute ma vie, quoi. Du coup, voilà. Allez, on y va, on continue. En vrai de vrai, on se débrouille pas trop mal, ça se passe plutôt bien. Alors évidemment, on a vu mieux, hein, je pense, mais... Voilà. Pour un joueur casu de la Switch. Hein. À la rescousse des pots pleins. Allez, c'est parti. On va secourir les amis. Pas de problème. Ouais. J'arrive, je vais vous sauver. Let's go! Oh non. Alors ça, c'était vraiment le truc que j'avais, qui était pas nécessaire, quoi. Sérieusement, là, de nouveau ce truc de mort, là. C'est ingérable, ça, franchement. Hein. Eh, si vous avez déjà joué à Super Mario Bros. Wonder, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est injouable, ce truc-là. C'est ingérable. C'est nul. Allez. Graine prodige obtenue. Allez, c'est cadeau.
Ah, super. Merci. Salut. Je suis là. Waouh. On est enfin libre. Alors, ne criez pas victoire trop vite, à mon avis, hein. Nous voulions vous aider en trouvant une graine royale, Altesse. Alors, on a cherché partout et on l'a dégotée. Servez-vous-en pour nous débarrasser de ce malotru. Attends, c'est vraiment fini, là? Prenons cette graine. Mais non! Il n'y a même pas eu de boss final dans ce monde-là non plus, quoi. Ça fait deux mondes où il n'y a pas de boss final. C'est bon, ça? Graine royale obtenue. Let's go! Est-ce qu'on va pouvoir prendre l'hélicoptère, peut-être? Merci, les copains. Salut, frérot. Allez, les gars, on rentre. Ouais! On a libéré les amis. Libéré tous mes copains. Et c'est ainsi que nos héros réussissent à sauver les intrépides mineurs des mines fongiques. Avec la cinquième graine royale entre leurs mains, il ne leur reste plus qu'une à trouver. Et ce sera au volcan végétal, bien évidemment. Dépêchez-vous de les délivrer du diabolique Bowser. T'inquiète. T'inquiète, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Ok, et donc là, je pense qu'on va pouvoir, voilà, ressortir. Voilà. Magnifique. Repartons vers les îles florales. Ah, là, il faut faire attention à la pression des oreilles, évidemment, parce que là, on passe quand même d'une couche négative à une couche positive. Évidemment. Allez, de retour aux îles florales. Ça fait 5 mondes de clean. Il ne reste plus que le dernier. Et du coup, là, on va pouvoir enlever l'avant-dernier nuage qui protège Bowser, bien évidemment. Ça pète! Pète sa mère! Let's go! Et voilà le travail! Le nuage vert, et donc il ne reste plus que le nuage bleu, violet, mauve, comme vous voulez. Il n'a pas l'air très content, encore une fois. Pauvre Bowser, on va ne faire qu'un de lui. À mon avis, je vais claquer une centaine de vies, hein, avec le boss final. Je sais pas pourquoi. Allez, la dernière graine royale, on y va, bien sûr. Donc là, c'était le monde 5. Et donc là-bas, ce sera direction le monde 6. Buffet salabafre. C'est parti. Encore une fois, j'aime bien parce que ça fait les petits niveaux chill. Genre là, c'est vraiment chill par rapport à tout ce qu'on a vécu. Donc c'est les petits niveaux tranquilles. Et c'est pour ça qu'on aime Mario à la base. C'est pour s'amuser, c'est pas pour se casser le cul. Est-ce que je peux... Voilà, ok. Heureusement que je ne suis pas un Goomba. Pourquoi? Ah, parce que t'as peur que je te saute dessus. Attends. Ah, ça marche pas, dommage. J'aurais bien aimé lui sauter dessus. Ok. Oh, bâtard! Il m'a volé mon champi! Redonne! Oh, dommage, ça aurait été trop bien par contre qu'il redonne. J'aime trop comme c'est coloré. Mais c'est pour ça aussi, j'avais vraiment envie de faire Enfin, j'avais vraiment envie de jouer au jeu en fait. Viens voir. Mais il est con ou quoi? Ferme la bouche, non? Ok. En plus, j'aurais pu le débloquer s'il m'avait pas gobé le champignon. Salaud. Hop. Ça dégage la racaille. Je casse dans le doute qu'il y a un champignon qui sort. Enfin, vous savez. Une graine royale, n'est-ce pas? Oh. Toujours sympa. On va éviter d'aller là. Hop, hop. Hop. Ah. Ah. Fous-moi la paix. Alors, comment je peux faire pour aller là-haut? Eh ben, il me faut un truc spécial que je n'ai pas. Voilà. Dommage. Ouais. Alors, je pensais pas. Ok, ça c'est pour Bibi. Ça dégage la racaille. Le petit checkpoint. Ça rush, ça rush. On fait un speedrun, les gars, là. Là, c'est un vrai speedrun. On peut peut-être descendre ici, ouais. Oh, le salaud. Attends, parce que lui, il va me saouler, lui. Oh, bah, attends, bouge pas. Oh, c'est... Non! Tiens, prends ça. Ok. J'ai dû me sacrifier. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Je peux descendre, peut-être? Je pense pas. Non, non, j'ai rien raté, tais-toi. Insupportable avec sa voix. Wesh. Oh là là. Oh. Pff. Alors attends, parce que là, je pense que je peux monter déjà là. Oh. Let's go.
C'est bon ça? Alors attends. Ah non, mais là il me faut une carapace. Voilà. Oh non. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais ça me saoule. Alors attendez, je vais faire grand... Je vais faire... grand saut accroupi. Voilà. Ça, ça va nous être très utile. Vous allez voir. Hop. Ça, c'est pour Bibi. Donc la pièce en badge a été récupérée, c'est bon. Et là, en fait... Si je fais ça, hop, voilà, et ça va me permettre de pouvoir monter plus haut. Ah non, mais on s'en fout, en fait, ça changera rien du tout. Attends. Voilà, bon, bref. Non, mais en fait, ça sert à rien. Allez, du coup, bon, bah là, j'ai capté ce qu'il faut faire, mais il va me saouler, là. Ah, faut jouer avec lui. Vas-y, envoie. Allez, superbe. Envoie encore, voilà. J'ai capté. Voilà. Ah, fallait le savoir. Hop. Allez, on se casse. Bon, malheureusement, j'ai pas la première grande pièce. Ah, c'est peut-être là que j'avais eu besoin, justement, du gros jump. C'est possible. Je sais pas, je veux pas savoir. J'ai pas envie de manger un Goomba, moi. Goomba, Goomba, c'est toi le roi. Plus grand la bouche la prochaine fois. Plus wow, prodigieux. Et on a notre graine royale. Il y en avait pas deux, j'espère, hein. Parce que s'il y en avait deux, j'ai loupé la première. Et évidemment, il y en avait une première. Voilà, bah, je sais pas du tout où elle était. Un petit peu deg. J'aurais peut-être dû tenter de rentrer dans d'autres tuyaux dans lesquels je ne suis pas rentré. Il est vrai. Il est vrai, il est vrai. Buffet salabafre. Bien sympa ce petit niveau avant de rentrer dans le vif du sujet. Et j'ai tout pile ce qu'il me faut. D'ailleurs, en graine prodige, pour justement débloquer le passage qui est juste à gauche. Mais de toute façon, là, j'ai encore de quoi en gagner. Jardin piranha et vrille ascendante. Ah, un nouveau badge. Vas-y, on va essayer le nouveau badge. Comme on le connaît pas, celui-là. Vrille ascendante. Qu'est-ce que c'est? Dans les airs, appuyez sur R pour gagner un peu en altitude. Non, c'est un double jump. Mais ça marche pas. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Ah, il faut prendre de l'élan. Excellent. Ok. Ok, j'ai capté. Ah, ça, c'est, ça pète pas mal ça. Bien mieux que le... Adieu. Bien mieux que le... Bien mieux que le... Que le saut accroupi là. Parce que ça, au moins, ça te permet de rester mobile. Et tu peux même l'enchaîner, je crois. Bah, c'est bien de la merde. C'est... Attendez, là, c'est... Bon. Ça commence à me saouler. Ok, c'est bon. Ah, je comprenais pas, là. Ok, c'est bon, j'ai capté. Allez, ça tryhard ou quoi, là? Waouh, mais c'est génial! Ah merde, attendez. Oh, dommage! L'idée était bonne, l'idée était bonne. Et quand l'idée est bonne! Ouais. Bon, bref, bah, ça va. Et comme ça, on a récupéré ce badge et je suis très très chaud de l'équiper. Mais bon, on remarque quand même, hein, qu'on soit bien d'accord, que les badges sont quand même très secondaires parce qu'à chaque fois, c'est pas très utile. À part celui qui nous sauve la vie quand on tombe dans la lave ou dans le vide, ça c'est vraiment utile. Maintenant les autres badges c'est vraiment très, très secondaire, t'as vu, tu peux varier, changer en fonction d'eux. Donc en vrai voilà. Mais on va l'équiper, parce que justement c'est plutôt fun. Mais voilà, sinon en vrai en termes d'utilité principale, bon, on va je pense beaucoup l'utiliser justement. Mais c'est parce qu'on vient de le débloquer, mais sinon c'est vraiment pas très très utile. Jardin piranha. Alors. Mais là c'est pareil, comment t'es censé faire? Je tenterais bien un truc là. Je tenterais bien un truc, mais vas-y, j'ai. On va éviter les bêtises. Oh, ça va être une perspective, mais oui. Excellent. Excellent. Alors. Très bien.
Oh. Oh. Ok. Y a quelqu'un là-bas. Ça, c'est de la motivation. J'adore le... la voix off. Mais on connaît, c'est une voix off connue en plus, hein, ça me parle. Hop là. Eh, t'as vu? Sans mon skill, sans mon badge, j'aurais pas pu le faire ce truc là. Comme quoi, ça a été bien calculé. Oh, j'ai un one-up. Oh, bah j'avais même pas eu besoin de ça parce que j'aurais fait mon double jump pour monter. Par contre, il y a d'autres tuyaux là-bas. Et vous me connaissez, je vais les essayer. J'ai bien fait. Oh. Ah non. Attendez, je me précipite là alors. C'est pas bon. Oh non. Du coup, j'aurais dû sortir plus tôt. Il y avait des trucs à faire. Oh, ça me saoule. Ça, c'est chiant quand tu peux pas revenir en arrière. C'est terrible. Vraiment, hein. C'est ultra réprochable. Oh. Je l'ai échappé belle. Salut Mireille. Hop, hop. Hop, hop, hop. Oh, c'est vrai que le jump, c'est vraiment pas mal. Hein. Superbe. Wesh. Ok. Oh là là, c'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. Quoi? Bon, d'accord, on peut pas tuer ce truc. Je suis en train de rush. J'ai les mains moites. Est-ce qu'on pourrait rentrer là peut-être? Non, même pas. Boum. Et voilà le travail. Ah non, le double jump en vrai, il régale de ouf. C'est dommage qu'on le reçoive que à la fin du jeu en vrai. Parce que là, on est vraiment proche de la fin, on l'a que maintenant. Ça aurait été quelque chose que j'aurais vraiment adoré avoir avant. Il est vrai. Il est vrai, il est vrai. Plutôt sympa le jardin piranha, j'aime bien. Bah, c'est chill avant la tempête, quoi. Voilà, on y est, on arrive sur l'île intermédiaire et donc du coup on va pouvoir débloquer l'accès ici donc pour arriver au monde de dernier. Sinon là on a quoi? Un circuit souterrain. Qu'est-ce que c'est que ça ici là? Ok, vas-y. Course Wiggler, parce que apparemment... Oh, la difficulté elle est grande. Vas-y, on va faire la course. C'est toujours chill, mais apparemment ça va débloquer un truc aussi donc... Allez. Est-ce que vous êtes brins, Zabardien? 3, 2, 1. Bonsoir les filles! Bonsoir les filles! Ouais! 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 Je sais pas où aller. Oh! Sakari! Yakari! Yakari! Il va super vite lui! Go, 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 go! Hey, il va trop vite! Arrête! Oh non! Ne jamais douter. Ah oui, c'est vrai. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Oh putain. Bon, c'est à peine pas scripté. Allez, go. Ah non. Casse les couilles. Non, je garde cette vrille là. J'aime bien là, le double jump. C'est vraiment chouette. Eh, heureusement, j'ai beaucoup de vie. Heureusement, j'ai beaucoup de vie. Allez, mon sang les filles. J'adore dire ça. Ok. Ça, c'est dommage parce que j'avais fait un perfect. Et là, ça va être compliqué de refaire un perfect. Oh, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Bonsoir les filles. Je suis insupportable. Allez. Là, il faut que j'arrive à aller en haut. Voilà. Là, au moins, c'est un bon démarrage. Superbe. Tombe. Mais... c'est quoi cette merde? Ok, ok. Ouhi, ouhaha. Allez, ça régale. Mais suce ma bite! Non, c'est trop! C'est trop! Non, pardon! Excusez-moi les enfants. Bonsoir les filles! Je suis au bout de ma vie, je suis en train de craquer là. Je suis en train de craquer de cette série, bordel. Redonnez-moi Battlefield Hardline. Mais comment? Il est long aussi.
Allez, ça, c'est fait. Un vrai plaisir. Hop, on quitte. Aucun intérêt. Merde. Aucun intérêt cette course, elle est complètement débile. Ça m'aurait sûrement débloqué un accès. Et encore, je suis même pas persuadé, regardez, y'a rien. Non mais que dalle, c'est de la connerie. Arène de combat, rien à péter. Allez hop, on va au monde 6 là, ça m'a saoulé. Commence à bien faire les conneries. Voilà, allez, ça dégage la racaille. Et on rentre dans le volcan végétal. Le volcan végétal. On l'embrasse d'ailleurs, la chanteuse Tal. Oh là. Donc là, on aura le boss final du monde. Toute cette lave, j'adore la lave. Je parie que mon papou n'est sans lui à rien faire à part cumuler de la puissance prodigieuse. Si je fais exploser la lave, c'est sûr, ça va l'amuser. Ça fera comme un feu d'artifice. Ok. Oh, bah, y a pas beaucoup de niveaux. Ah. Oh bah, ça va. Là, faut juste descendre et après, on va le boomer. On va le goomer, pardon. Très bien. Nous voilà au volcan végétal. La végétation et le magma se côtoient et s'étendent en profondeur ici. Il y a quelques popelins à l'esprit scientifique qui surveillent la zone. Allons à la station de contrôle la plus proche et demandons-leur si ils savent où est la graine royale. Et la graine royale est au bout du monde, comme depuis les 5 premiers mondes, je pense, monsieur. Débile, il a la mémoire courte. Ok. Hop. Voilà, j'avais pré-shot. Moi, dès que je vois que je peux tirer une queue, je fais. Bonjour. On est là. Prince Florian, aidez-nous. Le volcan végétal se comporte anormalement depuis que le palais a été capturé et le magma est de plus en plus chaud. À cause de la chaleur, les plantes poussent de manière anarchique. Il y en a absolument partout. Nous courons un sérieux danger. C'est sûrement un autre coup de Bowser Junior et je parie que la graine royale est à l'intérieur du palais. Altesse, je vous en supplie, reprenez le contrôle du palais et sauvez le volcan végétal. Ouais, donne-moi la graine prodige mauve. La graine prodige violette. Qui enlèvera le nuage violet, bien évidemment. Eh oui, j'ai compris le jeu à la fin. Ok. Magnifique. Eh bien, on descend. On va en faire qu'un. Et là, j'imagine que c'est un bazar. Non, c'est une recherche collective, énigme des objets. Vas-y. Ça fait une graine prodige cadeau et j'aime bien les recherches. Alors, comme dit, il y a juste dans le monde 2, je crois, que j'avais pas réussi la recherche collective, il me semble. Mais bon, maintenant que j'ai compris la mécanique. Trouvez-les tous. Trouvez tous les jetons prodiges. Hein. Ah bah voilà, c'est un... Oh, j'ai trouvé un easter egg. Je suis un génie. Voilà. Je pense que je peux rentrer dans un tuyau, non? Même pas. Attends, je vérifie les tuyaux. Même pas. Bon. Je vais reprendre l'éléphant parce que ça faisait longtemps. Éléphant, c'est un éléphant. Allez, il y en a un là. Ouais, d'accord, j'ai compris. Bon, bah il me faut ça manifestement, je n'ai pas le choix. Allez, c'est pas grave, ça régale. Et là, normalement... attends, comme ça. Ah bah non. Attends, je fais comment du coup, moi? Ah mais non, je peux pas. Je pensais que je pouvais enfoncer le machin. Mais qui c'est que c'est... Bon bah je reprends mon éléphant. On aura peut-être la solution après. C'est possible. Allez, ça régale. Bon, de toute façon, là, j'y comprends rien du tout. Hop, hop. Non, mais là, c'est pas possible. Il faut shooter les points d'interrogation en bas, mais je peux pas. J'ai pas de carapace ni rien. Superbe. Je suis censé monter comment, là? Ah, bon. Heureusement que j'ai mon double jump. Hein. Parce que sans mon double jump, je pourrais pas. Hein. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de voir là. Attendez. Bon, déjà j'ai capté comment avoir lui. Hop, hop. Allez, de la merde. Comment on fait? C'est pas possible. Mais il y a un problème. Attendez, je vais reprendre mon éléphant. Attendez, si ça se trouve, il y a. Mais non, là c'est pour ressortir. Oh, ça va très vite me saouler par contre. Hein. Oh, ça va très vite me saouler, ça aussi, je pense que... Oh, je veux mon éléphant! C'est pas possible! Complètement con! Est-ce qu'il faudrait pas envoyer la boule? Voilà!
Des fois, je réfléchis quand même. Voilà, ça m'en fait une. Mais j'en ai loupé une avant, quoi. Et ben voilà. Et je suis censé faire comment pour le reste? Voilà. Sans déconner. Ouais, mais moi, je... Bon. En troisième. C'est pas ça qui fait tout. Là, faudrait que j'arrive à aller là, là. Ça ne veut pas. Je ne comprends... Ah, je sais. Je sais. C'est bon. Il faut que je fasse ça. C'est bon, je sais. Donc, attendez. Dommage. Bon, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Hein. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Là, en gros... Voilà. Oh, purée. Bon, on a les trois premières. C'est pas mal, hein. Si j'enfonce ce mur, là, ouais. Mm-hmm. Alors ça, c'est pas anodin. Non? Ah si. Alors là, je vois pas. Ouais, mais comment je fais pour... Comment je fais pour avoir ça, là? D'accord. Eh ben, c'est bien dommage. Parce qu'on était vraiment pas mal. C'est bon, je sais. C'est bon, je sais. Donc là, il me refaut mon éléphant. Il me refaut mon éléphant. D'accord. Regardez bien. Il faut que j'envoie la boule. Tout à droite. Hop. Ah, pas du tout. Eh ben, je suis ultra déçu. Putain, mais c'est pas vrai. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a des poissons là. C'est super, c'est vraiment super. Moi j'ai tendance à croire que je dois garder ça. Et que j'ai encore quelque chose à faire avec ça. Mais je vois pas quoi. Allez. Ou alors? Ou alors? Voilà. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. On peut pas mettre ça dans... Non, d'accord. Il y a forcément un truc à faire avec chaque pouvoir. Parce que chaque pouvoir ont servi à un truc, là, les deux, là. Donc peut-être là. Et ben voilà! Allez! La quatrième! Let's go! Bon, maintenant, il faut la dernière. Et ça, c'est pas... Ça, c'est... Ça, c'est die. Y'a rien à faire ici. Putain, mais c'est pas... C'est... Y'a bien un truc à faire, là. C'est pas possible. C'est bon, je sais. J'ai trouvé. C'est pas grave, attendez, c'est pas grave. J'ai trouvé, regardez. Bon. Voilà, je reprends ça et regardez. Vous voyez là à droite, il n'y a pas de couleur. Et ben, je suis sûr que... Ah non. Là. Oui. Voilà. Let's go. Oh, je suis content. Oh, je suis content d'être intelligent des fois, par contre. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Graine prodige obtenue. Allez, ça régale. Ah, c'est sympa les recherches collectives, ça fait juste péter un plomb. Mais voilà, tout est possible. Ça nous fait deux graines prodiges. Donc il nous en faut 15 pour déverrouiller le premier truc et 25 pour déverrouiller le prochain. Donc là, oui, on aura de quoi faire, évidemment. En termes de mission. Donc on aura ça à débloquer. Voilà. En attendant, on peut peut-être descendre. Voilà, en bas on aura de quoi faire à mon avis. Défi badge, grand saut flottant. Très bien.
Quelle chaleur. Qu'est-ce qui t'arrive? Zut de flûte, le passage est bloqué par ce rocher. Tu veux peut-être que je te donne de l'argent, c'est ça? Ah là, écoute, je suis riche, tiens, cadeau. On dit merci la même compagnie. Hein. Ouais. Ah oui, tu donnes de l'argent et sa force se déculpe. Et si seulement ça se passait comme ça en vrai. Bah si, c'est un petit peu ça l'idée, c'est vrai. Ok. Et voilà. Tu veux encore de l'argent peut-être? Très bien. Et on a même... ah non, volcan végétal, station de contrôle. Très bien. Bah écoutez les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Et puis très vite, on continuera ce dernier monde. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement qui est gratuit, qui récompense la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.